story of a land, of the people who lived on it in the year 1870, and of a man whose name was Cochise. He was an Indian, leader of the Chiricahua Apache tribe. I was involved in the story, and what I have to tell happened exactly as you'll see it. For 10 years, we'd been on a savage war with his people, a bloody, no-give, no-take war. Maybe someday you will kill me or I will kill you, but we will not spit on each other. That is how I feel. I prayed that a decent peace would come. I wanted it for my country. I wanted it for Cochise and his people. And I wanted it because I loved a girl. Will there not always be whites who will hate your wife because of the color of her skin? Hear me, tall one. I ask you to think on it. Your way may be filled with bitterness. Think, is it not better to live with your own? He's a copperhead! He sold us out! Bring him out! What are you waiting for? No, no, no! You let him out! Take your women, your children, your horses, your weapons. Leave our territory. I leave you my name also. Now I am ashamed to be a Chiricahua. I will take the name Mexican enemies have given me. The whites will learn it, and you will learn it. From now on, I am Geronimo. Break the arrow. Magnifique. Et donc, bienvenue à tous sur ma chaîne. Bonjour à vous, bonsoir si vous regardez. Tout dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Donc, vous avez vu la bande-annonce, je vais vous parler d'un film américain de 1950 qui s'appelle La Flèche Brisée ou Broken Arrow en VO. Alors, La Flèche Brisée, c'est donc un film réalisé par Delmer Daves et appartenant au genre western et que j'apprécie beaucoup pour beaucoup de raisons, parce que c'est un film qui est très, non seulement ça appartient au genre western, oui, mais c'est un western particulier, puisque ça fait un western très, on va dire, très politique dans son appréciation, et même philosophique. Le scénario, on a Michael Blankford, même si c'est pas le scénariste original, mais je vais en revenir après, et adapté d'un roman écrit par Elliot Arnold. Le film a gagné 3 Oscars, l'un pour le meilleur second rôle, le second pour le meilleur scénario adapté, et enfin le troisième pour la meilleure photographie. Mais aussi, il a gagné aussi 2 Golden Globes et 2 Writers Guild, qui est un peu la récompense qu'on attribue au meilleur scénariste. Au casting, on a donc James Stewart dans le rôle de Tom Jeff Horns, on a Jeff Chandler, qui est magnifique dans ce rôle de Cochise, et enfin on a Deborah Paget, qui joue la jeune indienne Sun Si Hayo, et Will Gear, qui joue le rôle du général Ben Slade. Alors l'histoire, bon, assez simple, mais c'est souvent les histoires les plus simples qui sont souvent les meilleures. On a comme ça un américain blanc, Tom Jeffers, qui est fasciné par les Apaches et qui va partir, première rencontre, il va découvrir un peu, enfin il était parti en Arizona pour chercher de l'or, et il va découvrir un Apache, un jeune garçon Apache d'à peine 14 ans, blessé, assoiffé, qui va, dès le début du film, hein, c'est pas grave, comme ça il va le secourir et il va lui donner à boire. Puis après, progressivement, il va montrer, voilà, par humanité, parce qu'il a quand même des sentiments humains, et il va s'intéresser comme ça, il va découvrir un petit peu, il va venir dans le champ, il va découvrir Cochise, et il va découvrir une culture qui ne connaît pas, des gens qui ne connaît pas. Et puis, il va revenir ensuite dans sa ville, et puis là, il va découvrir, il va demander à
un éclaireur apache, parce que oui, il y en a quelques-uns, de lui apprendre un petit peu les rudiments de la culture, de rudiments de la langue, même apache, pour repartir ensuite et faire et, bah, ouvrir des négociations avec Cochise en vue d'obtenir un droit de passage pour le courrier qui doit passer sur, le, sur son territoire. Au passage, il va tomber amoureux d'une belle et jeune vierge apache, mais tout se passe pas comme prévu, puisque la place d'un suite à un malentendu avec l'armée notamment, il va s'attirer les foudres d'un autre chef, Geronimo, et à partir de là, il va y avoir un conflit entre Geronimo qui vont se présenter comme des rebelles, et puis Cochise qui va vouloir rester fidèle à sa parole, etc., etc. Et puis même du côté de Tom Jeffords, qui va devoir aussi convaincre non pas les, les Indiens, mais surtout son propre camp. Alors, c'est un film qui marque un tournant, et ça à double titre. On a d'abord un tournant pour l'acteur principal, savoir James Stewart, qui s'engage là dans, pour son premier western de sa carrière. Le second, ce sera Winchester 73, sorti aussi dans les années 50 d'Anthony Mann. Et enfin, un tournant pour le genre du western lui-même. Parce que Delmer Daves, le cinéaste, qui était un pacifiste convaincu, a longtemps étudié la culture des Hopis pendant sa jeunesse, et toute sa connaissance, ben, il a retranscrit dans ce film. À tel point que oui, il peut avoir un peu valeur de documentaire. Il y a beaucoup de détails. On voit le soin qu'il a mis quand même à reproduire un peu tous les détails qu'on a sur les Indiens, les danses, les habitations, les vêtements même, et puis aussi sur la philosophie, sur la culture. C'est vraiment très minutieux à ce point, au point de vue-là. Et avec ce film, donc, il fut même rangé, enfin, le cinéaste fut même classé, allez hop, comme les cinéastes, les, tous les cinéastes antiracistes et humanistes de l'époque. Dans les concepts des années 50, c'est quand même très important. Dans un entretien, d'ailleurs, Dan Daves avait dit qu'il voulait montrer l'Indien sous un autre angle, c'est-à-dire en tant qu'homme d'honneur, homme de principe, comme tout le monde. Mais aussi, et voilà, enfin on verra que c'est pas si simple que ça. Voilà. En mai, cette manière de présenter l'Indien va créer une rupture de, avec la manière dont on concevait ce qu'on appelait autrefois le peau rouge. Voilà. Et à partir de là, ben, il y en aura eu d'autres hein, qui vont venir. Je crois qu'il y aura Geronimo, il va y avoir aussi jusqu'au à Danse avec les loups, quoi, en 91. Même l'ONU a loué ce film. Je rappelle que ce film a été réalisé en 1950. 1950, c'est le début de la guerre de Corée. Et donc ce film, c'est un peu comme le symbole de la réconciliation et du respect entre les peuples, mais pas vraiment celui de la tolérance non plus. Hein. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Michael Blankford était le scénariste de ce film. C'est-à-dire qu'il est inscrit au générique. Eh bien, en fait, pas vraiment. Pas vraiment parce que en réalité, celui qui a réalisé l'ébauche du premier scénario s'appelle Albert Matz. Albert Matz, c'était un scénariste à Hollywood, mais on est en 1950, qui a été soupçonné de ce qu'on appelait des activités anti-américaines à l'époque. Et c'était, on disait ça dans cette ère un peu de McCarthyisme. Je ne veux pas vous refaire l'histoire de, des États-Unis, vous savez très bien que cette chasse aux sorcières, comme on l'appelait, tout ce qui était supposé être d'opinion communiste. Et bah, Matz a été blacklisté à Hollywood, avec dans d'autres. Il y a beaucoup de scénaristes d'ailleurs hein, qui étaient soupçonnés d'avoir des idées un peu communistes. Et il a été remplacé donc par Blankford. Et c'est lui qui gagnera bah, la récompense, ou les récompenses, meilleur scénario, meilleur, comme je vous ai dit, le Golden Globe et compagnie. C'est qu'en 91 que cette injustice sera finalement réparée, où Albert Matz sera réhabilité, et son nom, voilà, c'est lui qui va gagner finalement, on va dire, c'est lui qui va récupérer la récompense, et le nom de Blackford sera rayé de la liste. Même si dans le film, hein, il reste toujours au générique, bon, c'est comme ça. Alors, je vous ai dit, hein, j'aime ce film pour ce qu'il représente. C'est à la fois un film humaniste,
C'est à la fois un film pacifiste, l'un des premiers d'Hollywood. C'est un film qui donne un nouveau visage de l'Indien. C'est-à-dire, ce n'est plus l'Indien, c'est plus l'ennemi. Et puis, si on va au-delà de cela, c'est un film qui montre un film sur la paix, un film montré. Mais c'est pas un film bisounours pour autant. C'est pas un film, tiens, ouais, c'est des gentils, c'est des bons petits sentiments. Non, ça montre que ben, dans ce film, eh bien, il y a, voilà, faut gagner la paix. Le plus dur, c'est de gagner la paix. C'est pas de gagner la confiance, c'est pas de s'apprivoiser l'un et l'autre dans d'autres personnes. C'est surtout gagner la paix et gagner la confiance de chacun de ces camps. C'est-à-dire que tant Tom Jeffords que Cochise, dans ce film, ben, vont devoir batailler d'abord dans leur propre camp pour assurer la paix. Et on va voir que c'est pas si simple que ça. Et même, il y a cette histoire d'amour très, très belle entre Sun Siayo, incarné par Debra Paget, et Tom Jeffords, par James Stewart aussi, dans le film, qui est cette rencontre entre que l'amour, au-delà des peuples, au-delà de la couleur de peau, fonctionne. Je rappelle aussi, hein, ce film s'inscrit dans un contexte, on est dans les années 50, je rappelle qu'aux États-Unis, on vit, enfin dans le sud des États-Unis, on vit une véritable ségrégation entre noir et blanc. On n'a pas encore ce truc, mais je pense que ce film, personnellement, a dû avoir un impact aussi dans les luttes pour les droits civiques à venir. Bref, c'est un film comme ça qui montre que rien n'est simple et que de toute façon, il ne change pas le monde. Ils ne changent pas le monde, mais ils vont comme ça construire des petites pierres pour amener la paix. Cette scène, hein, d'ailleurs, où on voit Cochise qui amène une pierre, puis après une autre, etc., pour construire la paix, comme si c'est la porte de petite pierre, comme ça, qui construit la paix. Et voilà, c'est assez beau, c'est très poignant, c'est très touchant. Et au point de vue de la façon dont il filme l'Indien, c'est assez particulier, c'est-à-dire on ne filme plus l'Indien comme une masse qui arrive comme ça, mais on les filme un peu en contre-plongée, un petit peu de biais, pour le montrer, ils sont imposants, ce sont des hommes de valeur. Ça aussi, on n'a jamais vu dans un western autrefois, avant celui-là, on n'a jamais vu des Indiens qui étaient totalement montrés un peu comme les Blancs, en fait. Et ça, c'est vraiment une rupture, montrer où va le film. C'est un film aussi qui montre qu'on n'est jamais prophète dans son propre camp, et qu'il faut aussi convaincre ses amis. On ne peut pas leur donner tort, des gens comme ça. Je rappelle, c'est une guerre, voilà, il faut parvenir à convaincre, et c'est pas difficile. À un moment donné, il lui sort la phrase que parler de paix, c'est facile, mais vivre la paix, c'est très difficile. Et ça aussi, on le voit encore aujourd'hui. On voit encore aujourd'hui, dans certaines situations, que le vivre ensemble, que le vrai, c'est pas si simple. Je vous cache pas que ce film se termine sur une tragédie, malheureusement. Alors, certains vont voir un spoil. Si vous voulez pas que je vous spoil la fin, vous passez un petit peu. Je vais vous laisser quelques temps pour passer à la fin. Si vous en aurez à foutre, vous pouvez m'écouter. C'est bon. Bon. Donc si vous êtes là, c'est que j'ai spoilé un petit peu la fin. Comme je vous ai dit, Debra Paget, Sun Siayo, la jeune femme qui va se marier d'ailleurs avec Tom Jeffords dans le film, c'est un symbole d'union entre l'union des peuples, va malheureusement mourir. Elle va être tuée par un blanc, justement, dans une escarmouche, avec des gens comme ça, qui sont un petit peu butés et qui ne veulent pas entendre parler de paix. Et dans une scène assez poignante, où il le prend, comme ça, au bord de la rivière, il prend le cadavre de sa femme, et il y a Cochise qui arrive, lui et l'autre, là, Tom Jeffords, qui est vraiment bouleversé, qui a envie de se venger. Et là, c'est Cochise qui va arrêter, qui va lui dire non, on ne va pas détruire, tout détruire pour, oui, la mort de ta femme, tu dois accepter cette mort pour justement détruire. Et là, c'est très important que Cochise lui dise ça, parce que le blanc, à un moment-là, comprend tous les malheurs qu'ont vécu, tous les qu'ont vécu les Apaches, finalement.
Et puis voilà, et puis il comprend ça, et il comprend, et c'est très important que ce soit Cochise, parce que lui, il va comprendre les malheurs qu'ont vécu. Mais lui, Cochise, a été convaincu que faire la paix, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important que toujours entretenir un climat de guerre, et qu'on peut pas... Voilà, il fait comprendre que ce que tu as construit, c'est formidable, mais parce que, eh ben oui, t'as perdu ta femme, mais dis-toi que c'est un sacrifice... Et c'est aussi ce que nous, on a vécu. Et ça, c'est très important de comprendre cela. La paix. Et la paix, malheureusement, la paix se construit souvent sur des sacrifices d'êtres humains. Fin du spoil. Pour si vous n'avez pas entendu, je vais continuer à la fin. Donc, c'est un film très humaniste. C'est un film très, très humaniste. C'est un film très pacifiste. C'est un film très politique, dans le sens où, et quand je dis politique, avec un grand P. C'est un film qui montre un petit peu l'entente entre les peuples, un film qui va montrer comment on vit ensemble, comment on va au-delà aussi, comment on élimine les préjugés, comment on règle un peu tout. Bref, ce que c'est pas facile, c'est très difficile. Et comme je vous ai dit, c'est pas un film bisounours, c'est pas un film où comme ça, vous avez les gentils petits apaches et les gentils petits blancs qui vont se dire qu'ils vont se tenir la main, ou checker comme vous voulez maintenant aujourd'hui, et puis qui vont se dire ok, on est salut, ciao les mecs. Bon, non, c'est la paix, elle se gagne petit à petit, et puis il faut convaincre. D'ailleurs, on a quand même Cochise. Qui va se entrer en conflit avec Geronimo, hein, puisque Geronimo... D'ailleurs, il y a un autre film, des films qui vont être sur Geronimo, enfin bon, je ne veux pas revenir, j'en ai fait un là, je l'ai un peu chroniqué, voilà. Mais bon, là dans ce film, on a Geronimo qui va s'effacer, parce que lui, il veut continuer à vivre ce mode un petit peu aventurier, pillage, etc. Cochise va essayer de le convaincre en lui dire que ben non, maintenant il faut se mettre à l'élevage, il faut vivre un peu comme les blancs, hein, montrer qu'on ne peut pas toujours vivre. Alors, mais l'autre, non, parce qu'il ne veut pas renoncer à son mode de vie libre. C'est compliqué, quoi. Les uns qui deviennent des rebelles, finalement. Puis voilà, pareil pour Tom Jeffords qui va essayer d'apprendre aux blancs à vivre ensemble avec les Apaches. Mais les autres, certains ne veulent pas voir. Ne veulent pas comprendre, ils ont tellement été habitués que c'est toujours difficile à briser ces préjugés qu'on a sur un groupe de personnes. Ça aussi, c'est très fort ce film. Ça, on ne change pas le monde finalement. On montre comme ça par des exemples. On montre pierre par pierre qu'on peut construire la paix, mais c'est progressivement. C'est difficile à changer le monde. Et il ne cherche pas, d'ailleurs, ce film ne cherche pas à changer le monde. Et voilà. Mais. Je rappelle aussi que les Apaches, à un moment donné, et c'est ça qui est un peu dommage en ce film, c'est qu'ils n'insistent pas sur la langue Apache. Attention, hein. D'ailleurs, il le dit, le réalisateur Delmer Daves le dit, hein, au début du film, hein, il l'écrit, qu'il s'excuse d'avoir fait parler les Apaches anglais, mais en anglais, mais pour les besoins du film, ben voilà. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlaient la langue Apache, donc ils ne pouvaient pas retranscrire ça. Savoir que la langue Apache était parlée que par les Apaches, et je rappelle, et ça c'est une petite anecdote, qu'elle a fait partie, enfin Apache, Navarro, c'est un peu ouais, le même peuple comme ça, savoir qu'on a utilisé la langue Navarro à l'époque, je parle des Navarro parce que comme il avait étudié les Hopis, ça veut ça, Elle a été le fameux code Navarro qui a permis aux Américains de s'exprimer, de gagner un peu la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a eu un film très intéressant parce que les Allemands n'ont jamais pu, déchiffrer. Et d'ailleurs, il y a eu un film, je crois que c'est avec Nicolas Cage, qui s'appelle Wind Talkers, qui parle de ce film. Ça a plutôt porté pour montrer que aussi, le langage indien, le langage des Indiens, a eu un impact aussi dans l'histoire américaine. Bon, mais on peut reprocher un petit peu qu'il n'y a pas cette histoire de langue, mais bon, à l'époque. Mais voilà, c'est un film autrement à voir aussi pour l'Europe, puis aussi bah, parce que c'est un film qui nous fait voyager, hein, toujours, hein, les beaux plans, la belle photographie, c'est vachement bien réalisé, je veux dire, et puis
les Indiens qui paraissent comme ça un petit peu. Il y a deux, trois petites scènes de fusillade, mais pareil, il faut bien être, c'est un western, ça reste un western un peu, après tout. Ça conviendra. Mais si vous aimez bien les belles fables comme ça qui se passent dans l'Ouest américain, c'est vraiment un incontournable à posséder ou à regarder. Je ne sais pas où il se situe. Hein. Moi, je l'ai en DVD. Maintenant, hein, je ne sais pas. Peut-être que vous le trouvez. Je crois qu'il est. Il est tapé sur la Fnac et vous le trouverez facilement. C'est pour moi l'un des meilleurs. Je dirais pas que l'un des meilleurs westerns. Mais l'un des meilleurs films de cinéma tout court, si je devais le faire, le mettre dans un top, il serait certainement en haut de ma liste. Parce que La Flèche brisée, c'est plus qu'un film, c'est un film philosophique, c'est un film politique. Politique dans le sens le plus noble du terme, hein, c'est-à-dire avec un grand P, avec pas le petit film politique, etc. Si, voilà. Donc je vous encourage à voir ce film, surtout que ça rentre un petit peu. Aussi, on peut dire que ça rentre en résonance avec l'actualité, même l'actualité politique, mais c'est aussi petite politique comme ça, mais aussi l'actualité tout court. Hein, aujourd'hui, on est dans un monde où on commence à se fracturer, commence à se distancer, malheureusement. J'ai envie de dire, se revoir ce genre de film, ça peut être très, très intelligent et très intéressant, très judicieux. Montrer qu'il faut, quoi qu'il arrive, toujours vivre ensemble, vivre en paix. Et pas chercher le conflit. Toujours essayer de se rapprocher vers l'autre. Un film qui nous apprend la tolérance. Aussi. Et voilà. Donc, La Flèche brisée de Denmer Daves en 1950. Je vous encourage à le regarder. Faites-vous votre opinion. Et puis, on débat dans les commentaires de ce que vous avez, si vous avez aimé ce film. Si c'est un film qui vous trouvez un peu son propos un petit peu naïf, vous avez le droit. Bref, vous parlez comme d'habitude, likez, partagez, débattez de ce film. Et puis, moi je vous dis ciao les gars, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.